que vous voulez une cigarette, monsieur? Non, merci. Non, jamais avant mon petit déjeuner. Je vous remercie quand même. Puis-je m'asseoir? Mais... Certainement. Monsieur? Ah, merci. Oh, merci. Un café, s'il vous plaît. Bien, madame. Vous êtes américain? Oui, ça se voit tant que ça. Mais riche, je parie. Non, non, pas tellement. Je suis entrepreneur de plomberie. Mais vous savez, ceux qui posent des tuyaux ne sont que rarement ceux qui les exploitent. Vous êtes venu voir la France. Pourquoi? Parce que dans le cœur de chaque Américain, il y a l'amour de la France. Et un jour ou l'autre, il faut qu'ils viennent à Paris afin de savoir pourquoi. Madame? On ne manque pas de belles choses ici. Il y a les paysages, les arts, les bons restaurants. Oui, j'aime beaucoup tout ça. Et la chose qu'on appelle l'amour. Oh. Vous êtes une très jolie femme. Merci. Mais j'ai un problème. Ah, je sais ce que c'est. Vous êtes triste car vous êtes incompris et votre femme... Non, non, c'est le contraire, exactement. Ma femme lit en moi comme dans un livre. La vérité, c'est que j'aime ma femme de tout mon cœur. C'est la femme la plus merveilleuse qui soit au monde. Moi, tout au moins. Nous avons trois gosses, tous les trois peut-être un peu cinglés, mais je les aime infiniment. Alors... Vous êtes vraiment riche, monsieur. Je vous demande pardon? Un homme qui a tout ça est riche. Vous venez d'énumérer à l'instant les richesses les plus importantes. Oh. J'espère que vous vous plairez en France. J'espère également. Cela m'a fait plaisir de vous rencontrer. Merci. Au revoir.